mon fils. C'est toi. C'est toi qui es venu la chercher chez mon village. Ça ne peut pas être possible. Maintenant, tu as une idée, ouais, comme il dit. Mon fils. Moi. Elle vient. Vraiment, il faut bien prendre soin de ma fille. C'est l'unique fille que j'ai depuis son enfance. Je suis la seule à la garder jusqu'à elle a grandi. S'il te plaît, c'est une fille très gentille, elle serait bien soumise à toi. Il faut bien prendre soin d'elle pour moi. Ne vous inquiétez pas. C'est pour laquelle vraiment je suis venue au village, je suis une femme. Ouais, les filles de Cotonou là, moi j'ai fini avec ça. Je sais qu'au village, je peux trouver une bonne femme pour m'engager avec. C'est donc pour laquelle je suis là. Et comme vous m'avez parlé, j'ai compris. D'accord. J'ai compris, maman. D'accord. Je vais partir avec elle. D'accord. Et dans peu de temps, on va faire notre mariage. D'accord. Oui, ma fille, tu es là. Ma fille, tu veux partir maintenant? Non, maman, ne pleure pas. Maman, c'est bon. Maman, c'est bon. Tu me fais pleurer aussi. Non. Mais pourquoi tu me fais ça? Faut pas me voler là-bas, ma fille. Non, mais arrête de pleurer, ne me fais pas ça, hein. Je reviendrai te rendre visite souvent, d'accord? On viendra te chercher, tu viendras me rendre visite en ville aussi. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Arrête ça, mon sang, tu vois, hein. Non, maman, ne vous en faites pas. On va revenir. D'accord. On va revenir, maman. D'accord, d'accord, mes enfants. Maintenant, vous pouvez partir. D'accord, maman. Mes enfants, revenez. J'ai quelque chose à vous donner. Tenez. Si quelqu'un a offensé l'autre, que l'autre demande pardon. D'accord. Ne vous querellez pas, hein. D'accord, maman. Ne faites pas la guerre. D'accord. Je vous aime tous, hein. Je t'aime aussi, maman. Ok. Au revoir, maman. Au revoir, mes enfants. Au revoir. Je viendrai te voir. Oui, bientôt. Ma fille, au revoir. Eh oh, ce truc-là qu'on a mangé hier, moi, ça ne me plaît pas. Moi, je ne suis pas habituée à ces choses-là. Pardon. Tu n'es pas fatiguée, tu veux un peu de pâte? Non, là, ce n'est pas un problème. Moi, là, je suis habituée à manger pâte et piment avec oignon. Ou bien on fait bon légumes là, mais... Comment tu as appelé ça? C'est charmant. Eh oh, j'ai vomi toute la nuit. Je n'ai pas voulu te réveiller. Allô? Oui, ma fille, tu vas bien. Et la famille, et ton mari, il va bien. D'accord. Tu es déjà tombée enceinte? T'inquiète, ça va venir. Tu as compris, ça va venir. Je n'oublie jamais ces enfants. Ok. Je passe ici pour te dire de ne pas m'oublier. Faut souvent m'envoyer un peu d'argent pour que je puisse commencer à faire quelque chose dans le village. D'accord, ma fille. Ok. Au revoir. Non, je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de sortir, quoi. D'accord? Je n'ai pas envie de sortir. Oh, il n'y a pas de boulot. Ok, ok. Je te rappelle alors. Bébé? Bébé, j'ai faim. Et normalement, tu devais préparer depuis, non? Préparer quoi? Pas tes piments encore là ou bien? C'est aujourd'hui, c'est légumes. Oui. Bien, sauce crinquin. Oui. Je suis fatiguée de tout ça. Pardon, on peut m'emmener au restaurant. Mais toi, tu n'as pas l'habitude de manger au restaurant. Tu veux aller? Mais maintenant, je dis, je veux. Et puis, une fois au restaurant, pardon, hein, je ne veux pas manger de n'importe quoi. Je veux de la pizza, s'il te plaît. Hein? Pizza. Mais il faut faire spaghetti, on va manger, oh, non? Oh, pardon, c'est quoi spaghetti là? Je dis, je veux pas. Je dis vraiment, j'avais pas envie de sortir. Ok, ok, c'est bon, je vais t'amener, on ira. Mm-hmm. On ira. Il faut te changer, on ira au restaurant. Alors. Bonjour, maman. Ah, mon fils. Maman. Oh, bonne arrivée. Merci, maman. Et ma fille. Ah, maman, vraiment, elle a changé. Elle a complètement changé. Raison pour laquelle je suis venu vous voir maintenant. Mon fils, viens, on va s'asseoir.
Bon, c'est pas fait de... On va s'asseoir. Vraiment, Linda, elle a complètement changé, maman. Ça fait banalement un an et demi, on a quitté le village. Oui. À peine 6 mois, Linda a commencé à changer. Quoi? Mon enfant? Elle est devenue quoi ou? Maman, j'ai dit, je ne veux pas les filles de Cotonou. Je suis venu au village pour chercher ma femme. Mm-hmm. Vraiment, ma femme, elle est devenue mon ennemi. Là où je l'ai envoyé pour faire la formation de cuisine, actuellement, elle sort avec le patron. Elle vient rentrer tardivement la nuit. Actuellement, maintenant, elle n'est plus dans ma chambre. Elle n'est pas où? Elle n'est plus dans ma chambre, maman. Depuis 4 jours, elle est sortie maintenant. Elle ne rentre plus à la maison. Et elle est où? Je vois plus qu'elle a trouvé... Elle a trouvé un jeune homme là, et c'est avec le jeune homme elle est, parce que le gars a voiture. Ça ne peut pas être possible. Bédé, nous, ma tête, je crois, néné, bédé, ouais, comme elle est. Et n'y a pas ma pauvre, non, et n'y a pas de néné, belagabé, moula, et ma tête, non, comme elle. Moi, on t'en parle, ça veut dire quoi ça? Moi, c'est comme ça, moi, je l'aime. Je l'aime trop. Tu connais le monsieur sur lequel elle est, non? Oui, je connais là où. Là, ils m'ont dit qui est la maison. Je connais chez qui elle est. Je vais me changer. Et puis, tu vas m'accompagner. Ok, bon. Hein? Ma fille. Quoi? Jamais. C'est eux là-bas. Les voilà. Ouais, c'est eux. Linda, je ne crois pas à mes yeux. Moi, c'est eux. Ah. Maman. Linda. Maman. Donc, c'est vrai ce qu'on m'a dit. Bonsoir, maman. C'est qui celui-là? Maman. Où est le tonton? Où est le tonton qui est venu te chercher au village? Maman, faut oublier ça. Hein. Oublier quoi? Linda, c'est l'éducation que moi je t'ai donnée. Moi, ta mère là, c'est l'éducation que je t'ai donnée ça. Maman, hein? C'est qui celui-là? Où est le tonton avec qui tu étais? Hein? Ah bon? Tu veux me honnir moi? Tu veux me honnir? Donc c'est moi tu veux honnir? C'est moi tu veux honnir? C'est pas ça? C'est moi tu veux honnir? Hein? C'est pas moi. Toi, dans ce pays-là, ton père t'a laissé. C'est moi, je me suis occupée de toi jusqu'à tu as grandi comme ça. Et le monsieur, il est venu, un bon monsieur comme ça, est venu te chercher. Donc, c'est comme ça, tu es parti en ville le laisser. Hein? Est venu te balader avec ce, je ne sais pas. Hein? C'est calme comme ça que je t'ai éduquée. Calme-toi. Hein? Tu veux me calmer comment? C'est ton beau. Tu veux que je me calme comment? Tu veux que je me calme comment? Tiens, maman. C'est ton beau qui te l'offre. Hein? Hein? Juste pour te rafraîchir. Hein? Eh oui. Tout ça là pour moi? Oui, maman. Tout ça pour toi. Ah, ma fille, merci. Hein. Merci beaucoup, mon beau. Non, c'est rien. Ah, merci. Hein. Mais vraiment, faut faire attention. Mm-hmm. Faut faire attention quand même. D'accord. Hein? D'accord. On fera le programme de venir vous voir. Je viendrai te voir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de souci. Hein? Vous prenez juste l'eau avec ça. On va se revoir très bientôt, d'accord, maman? D'accord. Bon, merci, maman. Bon, bonne route. Hein. Ok. Prenez soin de vous. Hein. Au revoir, d'accord. Merci, maman. Au moins, toi, tu es gentil. Mon fils. Maman. Tu es là. C'est bon. Elle est où? Ça va, mon fils, je vais te parler. Maman, je sais que je ne comprends pas. Mais je l'ai vu tout à l'heure. Elle était là, non? Mon fils, calme-toi. Tu sais, dans la vie là, c'est pas quelqu'un. On passe pour devenir quelqu'un. Tu vois, non? Donc, j'ai compris que Linda, là, elle ne veut plus de toi. Faut la laisser, mon fils. Hein? Crois-moi, je te parle. J'ai la fille de ma sœur. Elle est de teint clair, elle a les fesses, elle a les hanches, elle est bien. Comme tu veux toujours fille de village, là, mon fils, je vais te donner. C'est moi qui te parle. C'est moi, maman, qui te parle. Je vais te donner. Ne t'inquiète même pas pour le transport. Comme moi-même, je rentre au village comme ça. Je retourne au village. Maman, et Linda, pour la raison pour laquelle je vous ai amené à Cotonou, elle est où? Oublie Linda. Mon fils, tu n'as pas confiance en moi. Tu n'as pas confiance en moi. T'inquiète. Faut venir chercher la fille là au village, hein. Mon fils, moi, je suis en train de partir, hein. Faut venir, hein, mon fils. Faut venir, hein.
Abyss. Ah, c'est quoi? Ouais. Ah, ça va. Oui, ça va, je vais bien, toi. C'est quoi? Ouais. Tu fais quoi là? Attends, pourquoi tu es dépouillé comme ça? Tu as quoi? Ah non, rien, rien. Cher, rien. Quoi? Cher, tu as la tête baissée comme ça, on dirait. Non, je pense à. C'est un problème. Hein. Je pense à qu'est-ce qu'il faut manger. J'ai l'argent, mais ce que je dois manger là, je ne sais pas. Tu ne ressens pas à quelqu'un qui a faim? Non, cher, rien, souris, cher, rien. Pourquoi tu dis ça? Cher, rien. Souris, cher, rien. Souris. Non, moi, je pensais seulement qu'elle était vue. Je suis là, cher, rien. Eh, hey, ta femme là. Ah, c'est pour qui tu m'as laissé là? Non. C'est une longue histoire, s'il te plaît. Oublions ça. C'est pas toi qui disais dans ton pays que femme de Cotonou, c'est si, on ne respecte pas, on est si, il y a un coudé, il y a un cousin à fourreux. Tu es parti chercher femme du village. Donc, c'est femme du village là, comme elle a, qui t'a encore gras. Et tu es déprimé comme ça. Hein? Vraiment, tu m'excuses beaucoup. C'est moi, je pensais que. Cette femme de Cotonou là, que. Je ne sais même plus quoi dire. Je suis dépassé. Sincèrement, je suis dépassé. Et ma bras, et ma bras. Comment? Et ta gueule, c'est pas qu'elle a simplement bras. Hein. Elle est un bras au pot, toi-même, béton, là, à rien, ou t'es quoi? Et bon, je dois aller chercher. On va s'appeler. Je crois que c'est mieux, d'accord. Oh mon Dieu. Amuse. Oh Seigneur, ma fille. Oh, je vais la trouver où maintenant? C'est qui? Oh, ma fille. Oh, Seigneur. C'est moi. Seigneur. Oh, tonton. Oh, mon fils. Mon fils. Ma fille. Maman. Maman, elle a quoi? Calmez-vous. Elle a quoi? Ma fille, je ne me trouve plus. Linda là? Oui. Elle était chez l'homme là, non? Elle n'est plus là-bas. Elle est où maintenant? J'ai appris que. Elle a quitté là-bas et puis elle est partie. Mais quelque part, maintenant, elle est partie au Nigeria. Hein? Maman. Mais là, il faut mieux. Vous pouvez l'appeler sur son numéro, non? Oui. J'ai appris que. On m'a envoyé sa photo. Et puis j'ai vu une photo quelque part qui la ressemble dans un caniveau. Hein? Dans un caniveau. Maman, calmez-vous. Levez-vous. Elle est devenue quelque chose. L'homme parle pas, l'homme pour devenir quelque chose. Mon fils, faut laisser ça. Faut laisser appel là. Non, maman, si c'est comme ça, allez voir l'autre monsieur là. Il peut vous aider. Moi, je ne peux rien. Oh. Non, mon fils, c'est toi qui es venu la chercher chez mon village. C'est toi qui vas me la retrouver. Quand elle a commencé, je suis venu vous voir là. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Mon fils, faut laisser affaire là.